Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les gammes qu'on a besoin de connaître pour être à l'aise sur du blues. Si on veut jouer du blues et qu'on veut connaître un maximum de gammes, quelles sont les gammes qu'il faut apprendre? Eh bien, il y en a uniquement deux, des gammes. Si on est sur un blues en La, un blues classique, c'est-à-dire un blues majeur, un blues avec un accord majeur ou un accord 7, il y a deux gammes qui vont bien marcher. La première, c'est la gamme blues, qui est en fait la pentatonique mineure avec une quinte diminuée. Si on veut faire des improvisations, on ne va pas la jouer dans l'ordre comme ça, mais on va faire des effets pour que ça sonne mieux. Donc ça, c'est la première gamme, c'est la gamme du blues, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'appelle la gamme blues. C'est globalement une pentatonique mineure, donc une gamme mineure, mais avec une note en plus qui dissonne et qui donne cette saveur particulièrement blues. Et l'autre, c'est la pentatonique majeure, de La toujours, on est sur un blues en La. Donc ça, c'est une gamme qui dissonne moins, qui sonne beaucoup plus majeure, beaucoup plus juste, beaucoup plus dansante aussi, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais... Et c'est une gamme qui marche, contrairement à la gamme blues, elle ne marche pas tout du long. Il y a certains accords, notamment le deuxième accord du blues, donc le degré 4, sur lequel cette gamme ne marche pas très bien. Donc il faut être un peu plus... faut faire un peu plus attention avec cette gamme-là. Donc ça, c'était... sur un blues majeur, sur un blues classique en fait. Sur un blues mineur, ça va être un peu différent. La pentatonique majeure, elle va pas très bien sonner sur un blues mineur. Et ça c'est bien, parce que ça veut dire qu'on n'a qu'une seule gamme à apprendre. On n'a que la pentatonique mineure, enfin la gamme blues, à utiliser qui va vraiment bien sonner sur un blues mineur. Un blues mineur, c'est un blues qui contient comme premier accord un accord mineur 7, ou un accord mineur. Souvent, ce sont des blues lents. Donc avec beaucoup d'accords mineurs ou des accords mineur 7. Si on veut être un peu précis, on ne peut pas utiliser la pentatonique majeure sur un blues mineur, mais on peut utiliser la pentatonique mineur 6, ou le mode dorien. Moi, je vais préférer penser au mode dorien. C'est une gamme mineure, mais qui a deux notes en plus de la pentatonique mineure qui sonne bien. Ça, c'était pour les gammes. Et si on veut maîtriser un peu plus que ça nos impro blues, ce qui est bien, c'est de savoir où se trouvent les notes des arpèges d'accords des trois accords qu'on trouve dans le blues. C'est pas indispensable, c'est pas fondamental dans le blues, ça l'est dans beaucoup de styles de musique, mais pas dans le blues. Mais si vous voulez vraiment maîtriser les sonorités que vous jouez et comment ces sonorités sonnent sur les accords de l'accompagnement, c'est vraiment bien de bosser vos arpèges d'accords parce que l'intérêt, il est un peu mélodique, mais il est surtout au niveau de votre oreille qui va progresser à jouer ces arpèges d'accords et à entendre les consonances et dissonances. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous faire un récapitulatif de toutes les gammes qu'il faut apprendre, il n'y en a pas beaucoup, vous voyez. Et c'est aussi parce que ça fait très longtemps que je fais du blues, et j'ai relevé beaucoup de solos de blues, et je peux vous assurer qu'il n'y a pas un moment où j'ai entendu un guitariste qui jouait une autre gamme qui sonnait extrêmement bien sur le blues, et une gamme qui était autre que les gammes que je vous montre. Donc toutes ces gammes-là, c'est quasiment toutes les gammes du blues. On peut toujours en sortir, faire des choses intéressantes, mais c'est plutôt rare. Pour illustrer ça, je vais faire une improvisation. En utilisant ces différentes gammes, je vais faire une impro sur un blues majeur en La. Thank you.
J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair sur ce sujet. Si votre question c'était quelles sont les gammes à apprendre pour faire du blues, ben vous avez la réponse. Passez du temps à improviser, à vous entraîner à improviser sur les playbacks qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Mettez un pouce en l'air, partagez la vidéo, commentez-la, c'est très important ça pour l'algorithme. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et allez voir sur mon site Guitare Improvisation tous les articles que j'ai faits et les formations complètes, bien sûr.